La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Troisième dimanche de l'Avent, le violet du temps pénitentiel de l'Avent s'éclaire déjà des lueurs de Noël. Le violet devint rose, le violet évoque aujourd'hui la joie. Ce dimanche du Gaudete, réjouissez-vous car le Seigneur est proche, réjouissez-vous parce que la joie tant attendue se fait toute proche. Le Seigneur s'approche, le Seigneur frappe à la porte de notre cœur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent s'est joyeux, que par ses joyeux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie. Priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme, et votre corps soit tout entier gardé sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, c'est lui qui vous appelle, tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia.
soit avec vous. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu ?», il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent alors « Qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ?» Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jésus leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Même si nous n'avons pas de grandes connaissances en mythologie, nous connaissons tous ce personnage, nous connaissons tous le jeune Narcisse. Narcisse, ce jeune homme qui avait été l'objet d'une malédiction. Cette malédiction, c'était qu'il mourrait s'il rencontrait son image dans un miroir, dans le reflet d'un lac qui lui permettrait de se voir. Et vous connaissez l'histoire, Narcisse a été protégé toute son enfance jusqu'au jour où il tombe devant l'image que lui renvoie un petit lac ou un petit ruisseau dans la forêt. Et saisi d'admiration, il commence à se contempler, à contempler le reflet qu'il se renvoie à lui-même. Il se contemple tant et si bien qu'il tombe dans l'eau et il se noie. On connaît tous la morale de l'histoire. Narcisse se contemple lui-même et il en meurt. C'est dire que se contempler soi-même, rester avec soi-même, ça n'est pas le chemin de la vie, ça n'est pas plus le chemin de la connaissance de soi. Se connaître, c'est peut-être la recherche la plus ardente aujourd'hui. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà suivi une étape de coaching, qui se sont intéressés à telle ou telle méthode de connaissance de soi. On est très férus de cela en ce moment, ça s'appelle le développement personnel. Et c'est peut-être un symptôme de notre époque qu'on cherche sa place, on cherche son identité, on se demande qui on est, comme si cette question n'était plus une évidence. Et on se demande beaucoup les uns aux autres, quel est ton rôle, quelle est ta place, qui es-tu? On nous demande beaucoup de parler de nous-mêmes. Eh bien, vous l'avez remarqué, cette revendication, cette question, Jean-Baptiste n'y répond pas. D'abord, il dit « Je ne suis pas le Christ » et ses réponses sont de plus en plus lapidaires, voire un peu brutes de coffrage, de décoffrage. « Non, je ne le suis pas. » Et la question finale, mais que dis-tu de toi-même? Jean-Baptiste n'a rien à dire de lui-même. Jean-Baptiste ne se regarde pas dans la glace. Jean-Baptiste ne se célèbre pas lui-même. Jean-Baptiste est l'anti-Narcisse. Jean-Baptiste n'a que faire de parler de lui-même, parce qu'il est venu pour parler d'un autre. Et c'est toute sa vocation de témoin et de prophète. Le prophète, précisément, ne renvoie pas à lui-même, il renvoie toujours à celui qui doit venir. Et sans doute que la tentation pour Jean-Baptiste a été grande d'attirer les projecteurs à lui. À la fin du 1er siècle, même après l'événement Jésus-Christ, la mort et la résurrection de Jésus, il y a encore des disciples de Jean-Baptiste. Et nous entendions l'autre jour, dimanche dernier, qu'on venait de Jérusalem
venaient de partout pour écouter cette voix qui criait dans le désert. Le charisme de Jean-Baptiste devait être immense. Sa voix devait retentir, sa voix devait avoir un impact, sa voix devait ébranler le cœur des personnes, à tel point que beaucoup le prenaient pour le Messie. Et manifestement, il s'en défie. Manifestement, il résiste à cela. Manifestement, il se méfie par-dessus tout du star system. Je ne le suis pas, je ne suis même pas digne de dénouer la courroie des sandales de celui qui est au milieu de vous et qui est le plus grand. Jean-Baptiste a compris le grand secret de l'existence. Pour se trouver, il faut se perdre de vue. C'était Jean-Paul II qui disait « L'homme ne se trouve que dans le don désintéressé de lui-même. » Si nous voulons nous connaître, eh bien le chemin pour nous connaître est justement de nous détourner de nous-mêmes. De nous détourner de nous-mêmes pour recevoir notre identité non pas de nous-mêmes, non pas de ceux qui nous entourent, de ceux qui vont nous réduire à tel ou tel personnage, mais radicalement de la seule personne qui nous connaît, le Christ. Vous voulez vous connaître, et c'est Saint Philippe Néri qui répétait tout le temps, souvent dans ses prières ardentes personnelles, « Seigneur Jésus, si je te connaissais, je me connaîtrais moi-même. » Connaître Jésus, c'est connaître celui qui reçoit son identité du Père. Connaître Jésus, c'est naître avec Jésus à la véritable identité qui est la nôtre, sous le regard du Père. Dieu le Père, lui seul, nous connaît, me connaît, connaît ce nom qui est caché aux yeux des hommes et à moi-même. Et si vous voulez vérifier cela, allez voir le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, les questions de ce caillou blanc qui est tourné vers le ciel, sur lequel est inscrit un nom, le nom nouveau connu de Dieu seul, et connu seulement de celui qui le reçoit. Chers amis, nous devons nous connaître, mais nous devons nous connaître dans la lumière de Dieu. Avoir rencontré personnellement Jésus-Christ, c'est trouver en même temps sa place autour de lui, à côté de lui. Jean-Baptiste a rencontré Jésus alors qu'il était déjà dans le sein de sa mère. Et il le sait, sa place dans le dessein de Dieu, son identité, c'est d'être la voix de celui qui doit attirer au Christ. Le disciple Jean, vous savez, le disciple bien-aimé, dans l'évangile de saint Jean, refuse toujours de se nommer lui-même. Il se qualifie toujours, il se nomme toujours de disciple aimé de Jésus, de celui qui était contre le cœur de Jésus, celui qui était penché sur la poitrine de Jésus. Lui aussi a trouvé sa place. Sa place, c'est d'être l'ami de Jésus. Et chacun des disciples va se situer par rapport à Jésus, et non pas d'abord par rapport à lui-même, et encore moins par rapport à la réputation ou au rôle qu'on lui a donné. Chers amis, il y a pour nous tous un moment de vérité dans notre vie. Ce moment où nous délogeons de nous-mêmes l'imposteur, je voudrais m'expliquer, c'est-à-dire la fausse identité dans laquelle nous nous sommes glissés, le personnage que nous jouons depuis que nous sommes petits, ce personnage qui nous donne une certaine légitimité dans la société, et en général c'est né dans notre famille. Un garçon me disait l'autre jour, « Moi, de celui que je suis petit, je suis le clown de service. » C'est vrai que c'est un garçon qui était drôle, qui avait de l'humour, mais se définir comme le clown de service, « J'existe parce que je fais rire la galerie », c'est un peu réducteur. Et je lui ai demandé, « Est-ce que Jésus te voit comme le clown de service ? » Est-ce que Jésus a ce regard réducteur, au fond, dans lequel tu es entré et tu t'es bien fondu dans le personnage qu'on t'a donné ? Chers amis, nous ne sommes pas limités au personnage, au masque derrière lequel nous nous sommes cachés, celui qui nous donne une certaine légitimité dans la société et dans le monde. Ça, c'est celui qu'on pourrait appeler l'ego, l'ego dans lequel, eh bien, nous allons nous sentir un jour ou l'autre à l'étroit. Et il y a un moment où cet ego doit tomber, le masque doit tomber. Nous devons nous retrouver comme à nu, comme Adam et Ève dans le jardin, et nous laisser regarder par Dieu, nous laisser regarder par Jésus, nous laisser juger par la parole. C'est la parole de Dieu qui nous dit notre nom véritable, qui nous dit notre identité véritable, qui nous dit notre place sur terre. Chers amis, je vais même vous dire quelque chose d'énorme. Ce ne sont pas les parents qui nous disent qui nous sommes profondément. Ce n'est même pas notre meilleur ami, même pas notre conjoint. Ils n'ont pas les clés de notre identité. Seul Dieu a les clés de mon identité.
Et lorsque je veux recevoir mon identité de quelqu'un d'autre, au fond, je me prosterne devant lui comme devant une idole. Alors je dois me retourner vers le Seigneur. Vous savez, c'est tellement beau le jour où, peut-être au terme d'un moment de prière, après avoir lu la parole de Dieu, eh bien on a reçu une grande lumière sur sa vie, sur son identité, et on sait enfin qui nous sommes. Je sais qui je suis dans la lumière de Dieu. Bernanos disait que chacun d'entre nous est caché quelque part dans l'Évangile, encore faut-il qu'il trouve sa place. Encore faut-il qu'il sache quel est le personnage qui lui a été donné pour trouver sa place devant Jésus. C'est ce qui s'appelle recevoir son nom profondément, recevoir son identité. Pensez à ce merveilleux passage de l'Ancien Testament. Jacob, vous savez, Jacob, c'est le nom qu'il a reçu de ses parents à la naissance. Jacob, ça veut dire le petit rusé, le petit fourbe, le petit tordu. Voilà un nom qui est un peu lourd à porter. Voilà une identité dans laquelle il s'est fondu toute sa vie. Et c'est vrai qu'il était doué, c'est vrai qu'il était intelligent, c'est vrai qu'il était rusé, il a pu flouer beaucoup de monde, jusqu'au jour où le personnage, où le masque s'est écroulé comme un château de cartes. Et il a lutté avec Dieu pendant une nuit entière. Et il l'a contraint à lui dire « Dis-moi quel est mon nom, bénis-moi. » Et Dieu de lui répondre au terme de cette lutte, dont il est resté blessé, qu'il a laissé boiteux. Désormais, tu ne t'appelleras pas Jacob. Ça, c'est le nom que les hommes t'ont donné. Le nom que moi, je te donne, Dieu, c'est Israël, celui qui est fort, fort de la force de Dieu. Eh bien, chers amis, peut-être que Jésus, ces jours-ci, veut nous révéler quel Israël nous sommes, quelle est notre identité véritable. Et si nous savons qui nous sommes, parce que nous l'avons reçu de Jésus, parce que nous avons laissé Jésus, et à travers Jésus, le Père nous regarder, le Père nous bénir, le Père nous donner notre place, eh bien nous aurons une véritable liberté, parce que nous ne serons pas obligés de nous inscrire dans la personnalité un peu étroite, celle qui nous, dans laquelle nous sommes glissés, et celle qui nous fait tellement violence depuis si longtemps. Chers amis, demandons au Seigneur ce soir, et laissons-nous inspirer par Jean-Baptiste, demandons-lui la vraie liberté, demandons-lui qui nous sommes, demandons-lui de nous révéler quelle est notre place dans son dessein. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père, avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada.
joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtue des vêtements du salut. Il m'a couverte du manteau de la justice. Père Saint, béni sois-tu pour ce temps de l'Avent qui nous prépare à accueillir ton Fils. Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle. Qu'au milieu de ce monde, marqué par la morosité et la peur, elle témoigne à temps et à contre-temps de l'allégresse du salut. Que rien ne nous détourne de cette joie, nous t'en prions, Seigneur. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Seigneur Jésus, béni sois-tu pour ta parole qui nous éclaire. Accorde-nous le don de prophétie, que ta parole nous éclaire et se fraye un chemin jusqu'à l'intime de notre cœur. Qu'elle domine et apaise le trouble causé en nos esprits par l'actualité médiatique. Que rien ne nous détourne de ta paix, nous t'en prions, Seigneur. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Esprit Saint, béni sois-tu pour l'espérance que tu mets en nos cœurs. Accorde-nous de vivre Noël en profondeur, que la mémoire de la naissance de l'enfant de la crèche nous dispose à renaître avec lui. Que nous déposions toute tristesse et tout péché pour que tu fasses toutes choses nouvelles en nos vies. Que rien ne nous détourne de cette espérance, nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église, pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 dominus, Deus par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous, ceci et mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce,
il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets,
l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Notez bien les horaires. Donc vous savez qu'à Noël, il y a trois messes, hein, les fameuses trois messes du curé de Cucugnan. La messe de la nuit, la messe de l'aurore et la messe du jour de Noël. Voilà, joie de venir trois fois à la messe à Noël, évidemment. Enfin, au moins à une de ces messes. Nous allons, compte tenu de l'actualité, augmenter le nombre de messes pour vraiment permettre de pouvoir accueillir tout le monde dans les conditions souhaitées. Donc il y aura le 24 au soir, une messe à 17h30 et une messe à 19h, ce sera les deux messes dites des familles. Il y aura une messe vraiment de minuit à 11h, pour que nous sonnions les cloches à minuit pile, qui sera une messe en grégorien. Et le 25, nous aurons une messe à 8h30, la messe de l'aurore. C'est pas la messe où il y a le plus de monde, mais c'est la plus belle. Et la messe de 11h, qui sera la messe du jour de Noël. Voilà, merci de répandre cette nouvelle. Elle est évidemment disponible en ligne sur le site de la paroisse. Mais comme les horaires sont un peu différents d'habitude, eh bien merci de vous en faire le relais. Deuxième annonce, vous avez entendu que il va y avoir un couvre-feu. Ça, c'est l'actualité. Le couvre-feu, pour nous qui célébrons le samedi soir et le dimanche soir à 19h, c'est un peu juste. Donc, soyez attentifs. Nous allons sans doute anticiper la messe d'une demi-heure à chaque fois. Pour ce qui est des messes en semaine qui sont à 19h, nous pouvons les maintenir à la même heure parce qu'elles sont plus courtes. Voilà. Merci d'être très attentifs à cela et merci de
d'informer ceux qui sont autour de vous. Nous nous tournons vers la Vierge Marie, celle qui est Notre-Dame de l'Avent, qui nous aide à scruter l'Orient et à laisser l'étoile du matin se lever dans nos cœurs. Soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau à la clarté de cette lumière qui lève. Que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Vous êtes